Hey YouTube, let's go pour le piaf. On est déjà au troisième essai, on n'arrive pas à le caper. 1v6. On va voir ce que ça donne ici. Avec du coup un lock qui va briquer à 85%. Un Sora qui va récupérer son attaque pour l'imbu. Va mettre l'impéril lumière. Va remplir sa LB. Ici on va augmenter la TK. Et on va remplir la LB à tout le monde. Ici on va mettre la protection à tous. Et enfin, ce sera bien une protection hein, comme ça on va se dire. On est là avec notre petit Shadow. Premier tour avec Zon. Pouvoir faire les 100 hits. Même si on aura les 100 hits après. On peut le faire ici. On va faire les dégâts à part. Hop. Pas trop descendre dans ces pourcentages. Sora, swap. On récupère. Remplissage d'LB, augmentation d'LB damage. Et boost d'LB damage, je trouve que c'est inutile. Le impéril est déjà placé. Ah, à moins qu'il se dispelle, mais ça m'étonnerait. Hop, on va récupérer l'LB du coup. Ok, on est bien. C'est comme tout à l'heure. Ici, en vrai, qu'un seul remplissage d'LB, mais surtout avoir les 25% de dégâts de lumière en plus. C'est ce qui nous intéresse, pardon, ici. Locke va se transformer pour pouvoir... Alors, on va breaker, tiens, en même temps, ici. Augmenter, mais surtout récupérer 150% de Bird Killer. Faire le break de G, en vrai, juste pour le fun. Je me dis que ça peut être utile. Remplissage d'LB. On donne l'élément lumière à tout le monde. Shadow, il attend. Zon, on est parti pour faire les reflect. Donc, on récupère les killers. Ici, on récupère la TK. Ici, on redistribue à tout le monde. Là, on est bien sous Killer Bird. Et on est bien sur le 300% de... ATK de Sora. Nadezhda va se reprotéger. On a Xon qui va protéger tout le monde. Derrière, on lance triple AT avec la LB de Sora. On lance le AR de Shadow et de Xon. Et on essaie de voir ce que ça donne. Pour les dégâts, tout à l'heure, j'avais fait une petite variance. Enfin, j'avais lancé les AT après. On va du coup lancer quand même avant. Et on a mis les killers sur Shadow. En plus, pour voir si ça fait une différence de dégâts. Donc, on lance ça et on va lancer très rapidement ensuite les deux autres. Let's go. Ah, il y a peut-être le dernier hit là où il a fait vraiment cher de Sora. Ouais, voilà. Donc, vous aviez raison. Donc, il y a bien l'AT Sora qui était passé à la fin. Qui était juste horrible. Et donc du coup il était hors limite. Bravo l'Exodi. Ça mérite un raffle. Et ça mérite un add point à Alexodi. Bien vu. Donc c'est le cap pour le bird. Donc bien sûr AT après AR, vous avez vu hein. Ce sera bien entendu important en 3 tours. Du coup, il a été fait ce bird avec un stuff ici. Pas de stuff sur la première forme. On va juste breaker la deuxième forme. Bah, vous l'avez vu, il manque même des morceaux. Pourquoi? Parce qu'on a fait optimiser ATK. C'est tout. Pas plus loin. On a été chercher à faire optimiser ATK sur Locke. C'est bien. Ici, sur Sora, on récupère du coup utilisateur de la lame jumelle qui nous permet d'équiper des katanas. On récupère la Murasama pour... Muramasa, pardon, pour le Killer Bird. Et on récupère un maximum de pourcentage d'LB damage, 260 pour
de 175% de Killer Bird. Donc ici, hein, avec la STMR de Firion, ancien, bien entendu, et la TM, la carte, pardon, de Cloud Neovision, ainsi que l'épée de Cloud, mais Advent Children, l'une des meilleures pour Sora. Ici, une petite Kairi nue, mais on va passer sur une Kairi True Double End, c'est la meilleure forme et c'est le meilleur DPS qu'elle peut avoir. J'ai pas encore fait le craft de la STMR de Lightning, mais sinon, bien sûr, le craft de la STMR de Lightning serait envisageable de la mettre pour faire encore plus de dégâts. Ici, Darkness et Glace, les deux éléments à protéger sur Fina et Daisy en maillot de bain. C'est tout ce que vous avez besoin, c'est de l'élément et même de la SPR, de l'HP, on s'en fiche si vous avez résistance élémentaire, ça passe. Un Shadow nu dans la version 1 parce qu'on transforme directement. Et ici pareil, Shadow, j'ai fait optimiser ATK et je n'ai pas été chercher plus loin. Si ce n'est que de remplacer, puisqu'il m'optimisait avec de l'HP, remplacer ses HP par Killer Bird qui se craft. Et l'ATM de Fran de FF12 qui donne un 50% de Killer Bird. C'est juste pour gratter, sait-on jamais, avec la carte de Sora. Et ici, Xon 100% taunt, 100% esquive. Je rappelle qu'il est nécessaire pour éviter les attaques qui partent un peu en wall again to beast to fly et prendre 0 dégâts ici. Voilà pour le bird, on passe sur le côté magique et après le Kokoryu. Des bisous.